Moi, j'ai besoin de personne, j'ai juste besoin de mon grec. Et ça sert à rien que tu m'appâtes avec un grec, ok? Et déjà, tu vas aller chez eux, pourquoi faire? Hein? Qui dit qu'on va pas croiser des gens qu'on connaît? Tu crois que les gens de notre quartier, ils ne restent que dans notre quartier? Mais qui me dit que moi, je vais être aussi contente que toi? Qui me dit que Salim, il va faire bah, la même chose que T'inquiète. Magie? Je vous ai prévenu, les gars. Vous avez triché tant de fois. Maintenant, vous avez perdu. Maintenant, vous avez perdu. Souad Harsan dit souvent à propos de ses musiques que elle a l'impression que c'est comme si on murmurait à l'oreille des personnages, comme si ces chansons glissaient des messages qui, d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part aussi, et c'est le moment où le film est le plus explicite sur son entre guillemets message, c'est-à-dire que dans les chansons on a un caractère assez féministe affirmé, alors que le film raconte une histoire et ne dit pas des choses comme des slogans. Et une autre chose que je voudrais noter à propos de ces musiques, c'est que pour la plupart elles ont été écrites et interprétées par des jeunes femmes de 16-17 ans des années 60, tout comme notre film est écrit et interprété par des jeunes femmes d'aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était évidemment de faire un lien entre la condition des femmes d'avant la révolution sexuelle en France, d'avant 68, et la condition de ces jeunes femmes dont on raconte l'histoire, en faisant le triste constat que d'une certaine façon, ça s'est plutôt empiré, ou ça a stagné, ou ça s'est empiré, mais en tout cas, ça s'est peu amélioré, la situation, et en montrant que finalement, l'histoire qu'on raconte est vraiment atemporelle. Puis il y a encore un autre lien entre ces musiques et le film, c'est qu'elles ont un autre point commun, c'est finalement de parler de choses graves avec un ton léger. Et quelque part, ces musiques correspondent vraiment à ce que moi je fais en cinéma, et de fait, elles se posaient très facilement sur le film. À genoux.